À l'occasion du Festival de Cannes, Instagram réunit plusieurs de ses créateurs. Et pour organiser cela, ils ont choisi le Palais Bulle, la célèbre villa du couturier Pierre Cardin. Pendant 2 jours, on célébrera les talents français et internationaux d'Instagram et on retrouve quelques franciliens. Parmi eux, le Parisien Nams, 24 ans. Connu pour ses pranks, il réunit 813 000 personnes sur TikTok, 518 000 sur YouTube et 206 000 sur Instagram. Comment est-ce que tu es tombé, Nams, toi, dans les réseaux sociaux? Comment tu as trouvé ton concept pour percer sur Instagram? Je suis tombé du 3e étage. Pardon. Comment est-ce que je suis tombé? Je kiffe les pranks depuis que je suis petit, en fait. Avec mes potes et tout, on se faisait plein de pranks. Du coup, je me suis dit, tiens, tu vas faire un prank là que tu vas poster carrément sur Internet. Et au final, j'en ai mis un, puis deux. Ça a bien marché. Et aujourd'hui, tu es invité à la Creator Villa d'Instagram en marge du Festival de Cannes. Et c'est magnifique, c'est un truc super grand. Il y a au moins, je sais pas combien d'endroits exactement, il doit y en avoir 20, je crois. C'est très très coloré, très grand, très spacieux. Je kiffe. T'as un endroit que t'as aimé particulièrement? Ouais. Vous voulez que je vous emmène là? On y va? Allez, c'est parti. Let's go, allez, venez. Là, c'est juste en haut là. Nams, 42% des 18-24 ans ont envie de se lancer dans une carrière digitale sur les réseaux sociaux. On a tous des amis qui ont envie de percer sur Instagram. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Quels seraient tes conseils que tu pourrais leur donner? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour percer sur les réseaux? Franchement, le conseil numéro 1, les gars, c'est avant tout de kiffer ce que vous faites, vraiment. Amusez-vous. Parce que si tu fais un truc où tu te forces, ça va se voir. Et la vidéo après, elle sera pas ouf. En même temps aussi, il faut que tu t'organises, on va dire, tu vois. Genre de manière à ce que tu poses régulièrement et tout. Et après, au fur et à mesure, les gens ils vont kiffer, ils vont commencer à s'abonner et tout. Et c'est comme ça, quoi, avec le temps. Et maintenant qu'on a fait le plein de conseils pour poster du contenu digital, on attend vos publications avec impatience.